Coucou tout le monde. Et oui, on se retrouve pour une deuxième vidéo parce que moi ça a coupé, mais à la fin. Donc voilà, et comme je veux pas rester comme ça sur une coupure brutale de ma vidéo, j'ai décidé d'en faire une deuxième petite parce que j'ai pas fini de montrer tout ce qu'il y avait en son acrylel. Donc je vais terminer. Donc à l'arrière, j'avais des papiers comme ça. J'ai peut-être allumé, on voit pas beaucoup. On verra mieux. Voilà, peut-être, ouais. Des papiers craft avec des motifs noirs, printaniers, des oiseaux. Pardon, là, c'est un magnolia que je vais coloriser, ça, c'est sûr. Ça me donne plein d'idées. Là, c'est des petits oiseaux. Des vélos. J'espère qu'il ne va pas recouper ce téléphone parce que c'est vraiment agaçant. Des écritures. Ils sont super beaux les papiers, j'aime bien. Je ne connaissais pas ces papiers-là. Qui m'a gâté, hein. Des fleurs. Faire des tags avec ça, c'est. Ça va être joli. Voilà. Pourtant, je suis pas. Je fais mes fonds, hein. J'utilise très peu de papier. Mais alors, ceux-là sont vraiment beaux. Et ça me donne des idées. Voilà. Autrement, j'ai ouvert tous les petits sacs qu'il y avait dans sa superbe pochette, là. Elle est magnifique, hein. Ça, même pour présenter des ATC, pour un envoi d'ATC, c'est super, quoi. Je sais pas, il y a peut-être eu un tuto là-dessus pour réaliser ce genre de pochette pour envoyer des ATC, mais s'il n'y en a pas, ben, il faut en faire un, hein, Mélanie, hein, parce que c'est vraiment une belle idée, ça. Voilà, j'aime beaucoup la pochette, ça fait très chic. Voilà. Et le papier, il est très beau aussi. Tous les papiers que tu as choisis sont magnifiques, j'aime beaucoup. Et donc dans ces petites pochettes, il y avait plein de petites découpes. Donc j'ai tout mis sur le calendrier de Mélanie et je vous les montre. Donc il y a des petits mannequins comme ça. Des petits mannequins. Oups, ça glisse. Bon, je vais poser et puis je vous les montre. Des petites robes comme ça. Des petits sacs. J'en avais eu, je crois, avec Aude, des petits sacs comme ça. Des petites robes comme ça. Ça me donne des idées. J'ai pas tous ces dies là. Moi, il va falloir que j'investisse là-dedans parce que c'est vraiment trop beau les découpes. Voilà. Les petites bottes. C'est tellement petit que je sais pas par où la prendre. Voilà. Encore une petite botte en gris. Pas si on voit blanc sur la l'image, mais elles sont gris clair. Des petits cintres, alors toutes des couleurs, hein, les couleurs sont assorties aux vêtements qu'elle m'a envoyé en découpe, c'est super. Alors un petit corset bordeaux, et il y a des cintres bordeaux, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment des belles découpes, hein. Et puis il y a les petites robes de soirée. Dans les trois coloris aussi. Marron, quatre coloris. Marron, gris, rouge et violet. Je ne trouve pas la violet, mais il y en a tellement sur ma table que je ne sais plus. Enfin bref, il y a toutes ces couleurs-là. Des couleurs vraiment vintage. J'aime beaucoup. Très sympa. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas quoi dire de plus parce que je suis tellement émerveillée devant tout ce qu'elle m'a envoyé. Je ne m'attendais pas à ça. J'adore tout, c'est magnifique, c'est sublime, t'as super bien travaillé, Mélanie. C'est vraiment beau, quoi. Je trouve pas les mots, c'est sublime. Merci, 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 merci. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis arrivée à 200, plus de 200 abonnés. Et c'est en partie grâce à toi, parce que tu me fais tellement de pubs sur ta chaîne que les abonnés montent petit à petit. Et voilà, je te remercie pour ça aussi. Alors, je vous conseille d'aller voir la chaîne à Mélanie, parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Je l'apprécie beaucoup. Et elle fait du travail, des créations vraiment magnifiques. Son premier tag vintage, regardez encore, c'est super beau, quoi. Hein, elle a gazé le fait de mettre de la dentelle en dessous, là. Eh, le petit mot, il est derrière, j'avais pas vu. Ah d'accord.
T'as fait au mieux, bah dis donc, t'as super réussi, oui, c'est très joli ce que t'as fait. C'est très joli. Oh bah si je te fais rêver, j'espère que j'en fais rêver plein. Hein. Bon, je vous promets d'autres tutos aussi bientôt. Un tuto mix média, enfin ce sera home déco. Et puis un fond de carte patouille, je ne sais pas dans quelle heure je vais les faire. Voilà. Autrement, je voudrais remercier tous mes abonnés qui me sont fidèles et tous les autres. Hein. Et puis tous ceux qui regardent ma chaîne. Il y a plus en plus de monde, donc ça me fait chaud au cœur. Ça fait plaisir quand on voit le nombre d'abonnés monter tout doucement et puis les pouces bleus et tout ça, c'est vraiment super. Je pensais même pas arriver à ce nombre-là, j'en viens pas. Mais bon, je pense que c'est en partie grâce à certaines filles comme Créa Mélan qui mettent un paquet fou à faire de la pub sur leur chaîne. Enfin, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup, 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 toutes les filles. Voilà, et c'est en particulier Mélanie. Voilà, je te fais un gros gros bisou. Je te dis au revoir et puis à bientôt pour un prochain tuto. Et merci!